En gros, on va empêcher le froid et le chaud de rentrer. Donc, on va y mettre une couche d'isolation avec différents produits. Ça, on va en parler plus tard. Et on va le recouvrir, le protéger avec des couches de sous-enduit et d'enduit pour faire en une opération le double effet qui se coule, qui est on change la thermie du bâtiment et on fait l'esthétique du bâtiment. Déjà parce qu'on travaille sur les deux aspects qui sont la thermie et l'esthétique, et que c'est un projet aussi plaisir, parce qu'on va refaire un enduit, on va refaire l'esthétique de sa maison. Mais c'est aussi technique, c'est-à-dire qu'on va répondre aux exigences des nouvelles normes, c'est-à-dire qu'on va isoler tous les ponts thermiques, on va isoler tous les ponts thermiques type plancher, type retour de tableau. Et en gros, on peut dire que c'est quand même l'isolation. Quand on prend une maison et qu'on isole par l'extérieur, on répond à quasi la totalité des problématiques thermiques d'un bâtiment. Donc, au cumulé, ça reste quand même un peu plus cher que l'isolation par l'intérieur, plus un ravalement de façade. Mais le gap est marginal. Okay. Le conseil que je donne à mes prospects et à vous à travers la vidéo, c'est soyez ouverts à la diversité produit, regardez les avantages et les inconvénients de chacun des produits, adaptez le besoin, et puis après, faites-vous plaisir en choisissant des enduits qui sont bien pour vous, qui sont adaptés à votre exigence esthétique, avec la granulométrie que vous voulez, et vous aurez un produit et un chantier bien fait, joli, et avec une thermie aux normes, et vous aurez une belle maison et vous serez au chaud.